pour commencer à filmer, t'appuies sur le petit bouton qui est ici. Qui est celui-là, d'accord. Bien dans le piano, c'est d'ailleurs ce qui fait à mon avis son grand intérêt et ce qui fait que c'est un des instruments quand même les plus demandés, c'était qu'on pouvait se faire plaisir très vite. On pouvait s'accompagner soi-même, c'est le côté en fait harmonique, polyphonique du piano qui d'emblée m'a vraiment plu. Je ne compose le plus souvent qu'au piano, en tout cas l'élaboration, même si les idées peuvent venir à n'importe quel moment, l'élaboration elle se fait presque toujours au piano. Et une fois que les idées ont été élaborées, le processus d'orchestration, il a lieu pratiquement toujours au piano aussi. C'est le piano qui me permet de trouver des contre-champs insoupçonnés, d'imaginer des rencontres de notes que je n'aurais pas forcément imaginées. Tout ça faisant que, à partir d'une version rudimentaire, une espèce de monstre, comme on dit parfois, qui est au piano seul, je vais obtenir quelque chose qui sera la version orchestrale. Que toutes mes esquisses, je les fais au crayon à la gomme, sur du papier à musique, mais assez rapidement, pour ne pas avoir de difficulté à me relire ou pour garder une sauvegarde, je vais donc saisir ça sur ordinateur, et à partir de là, il peut m'arriver de retravailler cela, d'imaginer les transpositions, et puis surtout, ce qui est pratique, c'est lorsque j'ai quelque chose qui me convient, qui va être un monstre, c'est-à-dire une réduction piano de quelque chose à venir pour orchestre. Et le fait d'avoir ici un grand écran fait que je peux y voir beaucoup plus clair, je pense, que si c'était écrit sur une feuille de papier, même si je pouvais avoir à disposition un papier avec beaucoup de portée. Et il se produit une chose qui est essentielle, qui est qu'on entend mieux quand on voit mieux. Il arrive rarement, une fois que j'ai improvisé, que je ressente le besoin de coucher cette improvisation sur le piano. Je vais, au hasard des circonstances, des circonvolutions, vers telle ou telle direction, et je me dis, tiens, ça, ce que j'ai eu l'occasion d'explorer de façon très indirecte, et un peu en effleurant les choses, parce qu'il s'agissait simplement d'improvisation, peut-être que il faudrait que j'essaye d'aller plus avant dans cette direction, mais cette fois en écrivant. C'est vrai que comme déclencheur, l'improvisation c'est toujours très précieux. C'est-à-dire que c'est une des grandes difficultés de la création, c'est comment commencer. Et dans ce cas, souvent, le fait de pouvoir mettre les mains sur le clavier et que cela vous suggère des pistes, des directions, c'est toujours un bon préalable, je pense. Il n'y a pas vraiment de recette miracle quand on accompagne un film. En revanche, je sais une chose, il est bon de se laisser tout simplement guider par les images, c'est-à-dire par le flux filmique. C'est probablement la seule chose qu'il faille faire, en fait. Regarde les images parce que c'est la seule façon d'entrer dans une certaine communion avec ce qui se donne à l'écran. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être dans une espèce de Mickey Mousing, qu'on va reproduire servilement les images ou telle émotion. En général, le film, encore une fois, est suffisamment riche et suffisamment polyphonique pour que telle ou telle succession d'images entraîne des climats qui peuvent être assez différents selon la personne qui accompagne. Mais
l'intensité de ces images va avoir une incidence sur le fait de jouer et sur l'intensité de l'accompagnement lui-même. Alors, je ne veux pas donner l'impression de cracher dans la soupe, mais la composition, c'est une activité solitaire, pour moi en tout cas, très solitaire, une activité qui peut donner lieu à beaucoup de souffrances, une activité où les angoisses sont nombreuses, angoisse de la page blanche bien sûr, et puis ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que je suis en train de travailler, et puis alors même que quand les idées ne viennent pas, j'ai le sentiment que le temps s'écoule à une vitesse d'escargot, quand enfin les idées viennent, je me dis voilà, je suis sur la bonne voie, mais dans ce cas-là, je me rends compte qu'effectivement le temps s'est écoulé de façon extrêmement rapide et que je ne dispose plus beaucoup de temps. Bref, je devrais me satisfaire à la fin d'une journée d'avoir si bien travaillé. Et en fait, tout au contraire, je suis terrorisé à l'idée que c'est bientôt la fin de la journée et qu'il va falloir que je passe à autre chose. Si on me demandait pourquoi j'écris, je serais bien en peine de répondre de façon univoque, mais une chose est à peu près certaine. Je pense que l'écriture a un lien avec la mort. Je pense que je suis terrorisé par l'idée de la mort, celle de mes proches et la mienne, et que composer, c'est une façon de repousser cet instant fatidique. Une façon de se confronter au passage du temps dans ce qu'il a d'irréductiblement sévère et castrateur. Le fait de se confronter, même de façon un peu fantasmagorique, à la mort nous conduit à nous projeter dans le futur, ou bien est-ce que dans cette lutte contre un destin auquel on n'échappe pas, est-ce qu'on n'a pas tendance à s'inscrire dans un éternel présent ? Je pense que c'est plutôt l'éternel présent. Et la composition, de ce point de vue, c'est un peu effectivement une stratégie d'évitement, qui est essentiellement dans le présent. Qui est concentré même dans le présent, mais c'est, oui, certainement une stratégie d'évitement. À quel type d'exploration on est soumis quand on compose ? Qui paraît assez normal, ce serait qu'on cherche à explorer un monde sonore, à explorer, à rendre pour d'autres son propre univers intérieur, à supposer qu'on en ait un, qu'il soit suffisamment riche et qu'on ait les moyens de le détailler. Mais il y a aussi un autre type d'exploration qui est peut-être lié effectivement à cette image du temps. Oui, même si la musique elle-même est art du temps et qu'elle se déploie elle-même dans une succession d'instants qu'on aimerait tous inouïs,
Il y a quelque chose d'assez mystérieux dans le fait de chercher à creuser à chaque fois un peu plus tel ou tel instant. Quand parfois, et c'est d'ailleurs une activité épuisante, exténuante, je me concentre sur telle ou telle mesure, et parfois au sein de cette mesure, sur tel ou tel micro-passage, sur telle transformation. Et j'essaie de voir ce qui va me permettre d'en être un peu plus satisfait que des options que j'avais prises auparavant. Je peux aller dans une direction qui fera que j'ai l'impression que dans l'espace des possibles que j'ai ouverts, qui sont autant de fenêtres vers l'extérieur, vers une issue possible, eh bien, celle que je finis par choisir est un peu meilleure que les autres.